Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte des Quatrains de Nostradamus. Et aujourd'hui, ce sera le Quatrain 88 qui fait partie de la Centurie 3. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque et puis euh, du présage que l'on avait décrypté juste auparavant dans une vidéo précédente, après l'abjuration du protestantisme par Henri IV le 25 juillet 1593 et sa reconnaissance par le, Mans, par le Parlement d'Aix-en-Provence comme roi de France le 5 janvier 1594, Cazot, qui était le consul de Marseille, se trouvait de plus en plus isolé. Le 17 septembre 1595, Henri IV obtenait l'absolution du pape Clément VIII. Il était évident que la cause de Calzo était perdue et qu'il devait se rallier au roi. Mais Calzo rechercha alors de l'aide auprès de Philippe II, roi d'Espagne. Et lui envoya fin novembre 1595 une délégation composée notamment de son frère François de Calzo. Voyez à quel point ce Calzo n'avait pas du tout envie de se rallier à Henri IV. Qu'il considérait finalement comme un roi illégitime. Un roi illégitime parce que Henri IV avait déjà renié sa foi. C'est toujours un problème à cette époque, tourmenté, deux fois entre catholiques et protestants. Étienne Bernard, l'ancien Ligueur, fut envoyé à Marseille le 5 décembre 1595 pour présider la cour souveraine de Marseille. Mais en fait, surtout pour traiter avec Calzo. Il ne réussit pas à le convaincre de reconnaître le roi Henri IV. Calzo voulait aussi rester le maître de Marseille. Charles de Lorraine, duc de Guise et fils du Balafré, avait été nommé gouverneur de Provence et fit approcher ses troupes de Marseille. Le temps pressait en effet pour le nouveau gouverneur, car Charles de Calzo s'était rapproché. De Charles de Doria, qui commandait en Méditerranée les galères espagnoles, et avait envoyé à Marseille le 28 décembre 1595 quatre navires de 400 soldats. Début janvier 1596, arrivaient huit autres galères et un millier de soldats. Le 6 juin 1596, le duc de Guise tenta un premier assaut qui fut repoussé. Mais personne ne souhaite en rester là. Et regardez maintenant la construction de ce quatrain. De Barcelone par mer, si grande armée. Toute Marseille de frayeur tremblera. Il saisit de mer aidé fermée. Ton traditeur en terre nagera. La construction. Regardons un petit peu pour le remettre en français compréhensible de notre époque. Une très grande flotte partie de Barcelone fera trembler Marseille. Elle se saisira des îles qui avoisinent le port et fermera la ville, tout secours par mer. Puis le corps du traître, celui que Nostradamus appelle le traditeur, sera traîné dans les ruisseaux, ce que Nostradamus écrit par nagera en terre. Alors, Comment analyser finalement ce, ce quatrain Une flotte espagnole de douze galères. Ça, c'est l'effet historique. Commandé par Charles Doria et envoyé par Philippe II au secours des Ligueurs, se saisira des îles du château d'If et de Ratonneau et fermera tout secours à Marseille par la mer. Donc Charles de Cazot. Le consul qui voulait livrer la ville aux Espagnols sera tué, lui, d'un coup d'épée par Pierre Libertat. Et le cadavre de ce traite sera traîné par la populace dans les ruisseaux, car le peuple de Marseille ne souhaitait pas une occupation espagnole. Tout simplement parce qu'il est clair que Marseille, vu sa position géographique, ne pouvait rester sur le long terme sous coupe espagnole. Le peuple le sentait bien. Et subir à cette époque un siège, une guerre de plus, on peut se dire qu'il ne fallait pas bon être assiégé à cette époque, dans une guerre. On, est, on parle de guerre maintenant, mais à l'époque, c'était aussi assez meurtrier. C'était déjà une époque difficile à vivre. La famille aurait été au rendez-vous. Et puis géographiquement, les, les Marseillais étaient quand même attachés au reste du royaume de France. Voilà les amis, et eh bien j'espère que ce 4-1, ce décodage vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain 4-1, qui sera lui sur la trahison et le supplice de Byron. Allez, je vous embrasse tous.